monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog Branche-toi de Best Buy. Je suis persuadée qu'à la maison en ce moment, il y en a quelques-uns qui ont réellement hiberné cet hiver. C'est normal, je vous comprends, il faisait froid, il y a eu beaucoup de neige. Par contre là, le soleil va nous réchauffer un peu, le printemps est à notre porte et c'est donc le temps parfait de se remettre en forme si vous vous êtes pas entraîné tout l'hiver. Je sais que c'est difficile d'avoir une bonne activité physique au quotidien, puis c'est pas obligé d'aller au gym. Vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours une heure au gym. Il faut avoir des bonnes actions au quotidien, dont mettre sa voiture un peu plus loin dans le stationnement pour marcher, arrêter bien sûr un arrêt d'autobus avant celui de la maison pour pouvoir marcher un petit peu plus. Bon, on va se le dire, c'est facile à dire. Comment faire pour garder le cap et rester motivé? Parce qu'après une semaine ou deux, je le sais qu'il y en a certains qui vont arrêter de mettre la voiture plus loin dans le stationnement pour faire un peu plus de pas dans la journée ou tout simplement pour se lever aussi au bureau à toutes les heures et pourquoi pas faire un petit jogging sur place. Wow, il y a personne qui va vous juger, c'est moi qui vous le promets. Sinon, ben, écrivez-moi et moi je vais leur écrire en échange. Vous m'avez posé beaucoup de questions dernièrement parce que vous le savez, je m'entraîne au quotidien. J'adore les montres intelligentes. J'adore également les moniteurs d'activité physique. Avoir un tout en un parfois peut coûter extrêmement cher, surtout pour les débutants en activité physique qui n'ont peut-être pas l'intérêt encore pour ce type de gadget. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous la nouvelle Amazfit Bip que j'ai d'ailleurs ici à mon poignet. Donc on peut voir, elle est juste ici, la Amazfit Bip. En fait, qu'est-ce qu'elle fait cette montre? Parce que c'est une montre intelligente que j'ai ici à mon poignet. Eh bien, vous avez tout ce qu'une montre intelligente vous offre. Donc, les notifications en temps réel sur votre poignet, dans le fond de quoi? De vos messages entrants, les textos, les appels. Mais en plus d'avoir vos notifications de réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, vous avez aussi un coach intégré à l'intérieur de cette montre. Et compte tenu que c'est une montre plutôt qu'un moniteur d'activité physique. En fond, vous avez accès en tout temps à un rétroéclairage sur un écran ici qui est en fait couleur. Et ça, c'est super plaisant parce que la plupart des moniteurs d'activité physique sont en noir et blanc. Assez là, un écran assez de base. Tandis que celui-ci, il est tactile et vous permet de pouvoir facilement changer entre les activités ou encore avoir accès à vos notifications, le tout en couleur. Et compte tenu que c'est une montre, eh bien, vous avez accès en tout temps à l'écran. Donc celle-ci ne se ferme jamais. Elle vient plutôt en subbrillance un peu moins éclairée pour pouvoir bien sûr avoir accès à vos notifications de pas durant la journée. Ce que j'aime particulièrement de ce type de montre-ci, c'est que tout d'abord, eh bien, elle est faite pour les garçons et pour les filles. Là. OK, on va se le dire tout de suite, c'est un modèle qui est très facile à porter. Elle est aussi super légère à mettre au poignet. Vous avez bien sûr le suivi du sommeil pour savoir si vous vous êtes bien sûr récupéré et que vous êtes endormi rapidement et vous avez aussi accès à un GPS intégré pour pouvoir faire vos distances de course, mais vous avez aussi accès à un accéléromètre sur 3 axes pour pouvoir vraiment bien calculer les pas à la course que vous faites et aussi bien calculer dans le fond les distances en kilomètres avec le GPS et l'accéléromètre. Par la suite, qu'est-ce qu'on a aussi à l'intérieur? Eh bien, on peut se mettre des objectifs pour avoir des rappels. C'est la fonction que j'aime le plus des moniteurs et des activités physiques parce qu'on oublie vite à toutes les heures quand on travaille ou qu'on est avec les enfants à la maison de se lever du divan, de se lever de notre chaise et de commencer à marcher un petit peu pour faire nos pas. Eh bien, vous aurez bien sûr des notifications en temps réel sur la montre. Ce que j'aime aussi, c'est compte tenu qu'elle est couleur et tactile, vous pouvez aussi personnaliser les cadrans. Donc, vous avez une grande sélection de cadrans pour pouvoir le mettre à votre goût, plus féminin ou plus masculin, pour avoir, bien sûr, accès à vos données. Donc, vous pouvez même décider si vous avez accès, par exemple, à des notifications directement sur la montre ou à des statuts, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser le cadran. Par contre, c'est un produit d'entrée de gamme, même s'il est extrêmement complet. Parce que généralement, une montre intelligente va se détailler beaucoup plus dans les alentours de 200$ et plus. Un moniteur d'activité, entre 100 et 150$ pour la plupart, là, en général. Donc, quand on parle vraiment d'une montre comme celle-ci, je suis très contente de vous dire que vous pourrez la mettre pour environ 100$. Donc, pour ceux qui commencent, ceux qui ont bien sûr le goût de se remettre en forme, ben c'est pas cher pour une montre aussi complète.
Par contre, vous devez vous-même syntoniser l'activité. Par exemple, je suis allée marcher, bien sûr, mes pas étaient calculés. Mais quand je changeais pour un entraînement, pour la course, par exemple, je devais aller peser sur le bouton. Il n'y a pas une reconnaissance automatique comme certains produits. Et vous avez une moins grande gamme également d'entraînement qui est reconnue par la montre. Bien sûr, vous allez avoir la course, la marche, l'elliptique. Puis c'est pas mal les activités qui vont vraiment être reconnues par la montre. Pour ceux qui vont faire plus de la natation, il y a peut-être d'autres produits pour vous mieux sur le marché. Par contre, également légèrement plus cher. Sachez quand même que cette montre-là est résistante à l'eau et vous permet bien sûr de l'utiliser au quotidien. Pour le moment, les bracelets pourront être aussi interchangeables. Vous pouvez tout simplement venir les défaire à l'arrière. Aucun autre bracelet vient dans la boîte. Par contre, vous pouvez acheter un bracelet blanc et aussi acheter toute la montre en blanc si, mettons, vous désirez avoir une autre couleur. Donc, c'est un très bon produit pour ceux qui veulent quelque chose de complet pour commencer ou se remettre en forme. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes ainsi que les dimensions, eh bien, je vous invite à lire mon article à ce sujet sur le site de Branche-toi, le blog de Best Buy. Et sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.